Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. En fait, c'est pas seulement en Haïti, gang haïtien représente un danger pour les États-Unis. Eh bien, et nous fait apprendre là que gagné plus particulièrement dans Palm Beach, County Sheriff là, lui annoncé li annonce jeudi a que yo arrêté 9 moun en connexion avec une longue investigation sur activité gang dans conférence que yo bay jeudi a et yo dit que tout monsieur sa wap gade la yo connecté avec sa nou rele yon groupe de gang haïtiano-américain que yo rele Sama. Donc des haïtiens qui lagué corona activité gangster surtout on connaît Palm Beach et pour venir dans zone ça et Miami tout va venir bas ça va être chargé et yo parlé te gain plusieurs set warrant que exécuté dans et 6 dans Palm Beach you dans Saint Lucie dans Casa et yo arrêté 9 gangster ça yo joine sous yo plusieurs gros armes, les dix gros armes là, rifle, yo joignent $20,000 cash, en pile drogue que yo confisqué. Mes amis nan neuf moun sa yo, gen yon, un petit bonhomme qui gen 17 ans, yo men ami et donc yo dit monsieur va le faire, il va gen charge comme moi, racketeur ou bien conspiration et il faut dire que cause gang ça c'est un cancer pour communauté dans Palm Beach là et shérif là en parlant de Rick Bradshaw il dit faut fini avec cause ça monsieur te présenter plusieurs gros armes qu'il prend dans main et il faut comprendre que et monsieur Gendy c'est un relé long boy mais qu'on a son gendy Zack nèg la fait pas boy encore yo dit monsieur a opéré dans Williams Farm Beach depuis 2000 depuis yo dit gendy timon ka opéré là dans longtemps mais non et groupe haïtiano américain ça yo nous gen Jimmy Belloni Breton Carter Jimmy Belloni gen 25 ans Breton Carter 23 ans James Deneus, 25 ans. Angelaire Deronville, 25 ans. Bijoui Jean-Louis, 21 ans. Et non, 25 ans. Bagayon qui a 30 ans, non? Mosley Joseph, 26 ans. Stanley Nemorin, 28 ans. Et monsieur et Jean-Paul, qui a 29 ans. Et puis, qui a plus l'âge, 29 ans. Et puis, on parle de citer non Tiboyla, qui a 17 ans. Parce que 17 ans, et qu'il a gagné. Et yo fait comprendre nèg sa yo yo impliqué dans plusieurs cas côté que yo tiré sou moun. C'est vrai que n'a parlé de West Palm Beach mais tout près à dans Miami gang out of control. OK. Et là dit out of control, yo pas gain contrôle yo, c'est par exemple je crois pour mois de juillet et yon en fait m'a montré non visage dame ça va me faire regarder. Mais petit dame ça c'est dans Miami on lui perdit et la ville il a touillé dans cadre activité gang dans la rue il a un téléphone dans main et pourtant des balles pété et puis sortant de là l'aller et bon bien entendu mon gars a dit son événement passé vers 2h AM bon US mon n'a rien droit d'y à n'importe là ça pas ta supposé une raison soudé à 10h du matin et que et on mérite mourir pour ça ou faut qu'on perde la vie pour ça et maintenant ça ne veut dire c'est que communauté haïtienne et habituellement et gagne des sobriquets de pas tellement connait nos fameux là bagay gang tellement mais nous commence à prendre l'autre niveau. Nous ou déjà ouais ça, là nous commence à prendre l'autre niveau. Vous comprenez ça?
et est-ce que t'es jamais content de bah ça fait pour et bandit en Haïti a kidnappé des Américains, c'est une grande première. Ça veut dire nous prenons l'autre dimension. Donc c'est ça, il pense à vous comprendre. Donc à ce moment de la durée, et le mensonge est venu et bandit de l'heure, bandit de la Caraïbe. Et maintenant, moi, un problème qui a causé ça, il en a parlé de gang. C'est même genre avec Anel, nous sommes genre Anel. Bah, en pile problème, Anel était dans tout journal américain. Mais celle-là, Anel pour pas kidnapper un américain. Mais Anel était reconnu international, tellement fameux, je ne veux dire, le mensonge. Bien qu'il avait essayé de traduire. Et dans le journal, ça me l'est quoi. Monsieur a mouru, même avec tout l'autre monde. Mais nous voulons dire, c'est pas causé pour un ballon de tirer le mensonge et puis une fin. Il faut que nous suspendions faire ça. Il n'y a pas de solution. Il faut que nous détruisions. Nous te voyons, nous te dit Anel, son gros problème et puis une touille Anel. Qui ça te gagne? Le reste groupe Anel là te frappe pour la plus belle. Ok? Donc c'est comme ça pour nous comprendre ça. Il faut reprendre le sérieux. Et moi, c'est ça qui a passé là. Et li ba en pile raison à fouté. Chan y fouté démissionné, fouté pas nan rance. Fouté te dit li même, et ça kap fait la era dot. Intervenu avec force pour mette si haut pour nèg yo. Ok? Et que sa fouté, et position sa fouté. Et mais gon bon, et nan administration Biden nan, gon bon, tap fait littérature. Je te dis, mette si haut pour vagabond, comprend? Situation sa pa gen parler français. En tout cas, et Maison Blanche jodi a réitéré avertissement pour moun k'ap voyage pour Haïti ou l'autre fois encore. Et yo voye di Américain pa mete pied nan pays ça. Pa mete pied nan pays ça. C'est côté y a kidnappé moun chaque jour. Donc et là on mette nous nan niveau 4, on dit qu'on a plein, mais nous dans niveau 4, je ne veux dire. Nous dans niveau 4. Yeah, nous dans niveau dégénéré et nous vraiment besoin d'une solution et drastique pour résoudre le problème ça. Voilà guys, c'était analyse longue des situations. Bye bye tout le monde.